Alors, trois périodes serrées, puis dès que vous avez monté en agressivité sur le porteur du ballon, certainement lâché. Ouais, après, bon, voilà, on n'est pas fourni de la même façon. Lui, il a 7 joueuses, nous, on en a 10, donc même 11 avec Serena qui n'a pas joué. Mais franchement, non, il a vraiment joué juste, il a joué bien pendant 32 minutes. Et puis les dernières minutes, bah, lui, il est un peu cramé, et puis nous, on n'est pas encore complètement cuit, donc ça joue au physique sur le dernier carton. Et puis nous, on a été un petit peu plus patient, j'ai envie de dire, en deuxième mi-temps par rapport à notre jeu offensif. Et donc voilà, on a mixé 2-3 défenses et je pense que voilà, on les perturbe et on les rend un petit peu vulnérables sur la fin de match. Mais franchement, belle équipe. Ce que je dis tout de suite, il va gagner des matchs parce qu'à la maison, il va être chiant à jouer, quoi. Mais il n'y a pas eu la fatigue du match de Coupe d'Europe, je sais Non, la pas. fatigue du match de Coupe d'Europe, on l'a eu en allant à Londres parce qu'on a fait un voyage catastrophique. Donc on a été nul là-bas à Londres, mais là on était sur place. Et on reste encore une fois sur place parce qu'on va jouer à Villeneuve mercredi. Donc on est 8 jours dans le Nord. L'arrivée a été compliquée, mais maintenant qu'on est là, on est bien là. Tu vas pas de demain ou pas? Ouais, on part demain. Vous êtes un peu la bête noire de Saint-Amand. Oh non, puisqu'on a perdu. On a perdu des matchs ici. En Hein. coupe, en coupe. Hein, on a perdu des matchs ici. Hein. Moi, j'ai pas tout le temps gagné ici. Hein. Donc, D'accord, ben je vous remercie. De rien, de rien. Et bonne continuation. Merci. Alors, quand c'est dommage parce qu'il y avait la place pour passer. Bah, déjà, il faut reconnaître que dans le dernier quart-temps, l'équipe de La Roche, elle a haussé son niveau de jeu, elle a joué à son vrai niveau, je pense. Et déjà, d'expérience aussi. Surtout sur les prises de Surtout jeu. l'expérience, sur l'agressivité. Et voilà, et faut aussi voir que l'équipe de La Roche a bien construit son match et a gagné à la fin. Maintenant, nous, c'est peut-être ça, c'est ce côté un petit peu, quand ça a été un peu dur, agressif, on a des joueuses qui sont un peu cachées et on s'est un peu tous regardés et on a fait des petites erreurs qui, la semaine dernière, ne nous ont pas été préjudiciables, mais qui l'ont été aujourd'hui. Notamment des petites erreurs tactiques qu'on avait ciblées, qu'on a laissées et ils se sont engouffrés dedans. Donc maintenant, tout n'est pas acheté, je pense, parce qu'on tient le choc. On gagne une équipe européenne la semaine dernière, on tient le rythme d'une équipe européenne et qui est censée jouer le top 6, je pense. Donc ça veut dire qu'il y a des choses. On est en début de saison et voilà, et on doit trouver nos marques, on doit trouver encore des automatismes. Mais je trouve que on doit construire sur les 3 premiers quart-temps quand on était bon. Et on doit construire sur le dernier quart-temps où on était très en difficulté et on a manqué un peu de lucidité par rapport à la semaine dernière. Et je nous ai trouvé plus tendus à domicile que à l'extérieur. Ça, c'est toujours un peu le cas sur le premier match à domicile. Mais Pourtant, la salle a poussé. tout était réuni. Après, bon, voilà, les pertes de balles nous coûtaient cher, parce qu'on en avait un 13 et ça fait la différence. Et puis, on a eu des tirs ouverts, très ouverts à 3 points, on n'est pas forcément en adresse à 3 points, là où je pense qu'on a bien construit nos tirs. Ça fait partie du jeu. Et voilà, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, il faut construire sur ça. Et le plus important, c'est plus ce match-là, c'est de l'analyser, effectivement, mais c'est déjà le prochain match sur lequel il faut qu'on soit présent. Aller chercher la victoire en jeu. Celle-là, c'est celle qui compte le plus. Déjà un des tournants. Ouais, c'est pas un des tournants. Au début de saison, il peut se passer tellement de choses, mais c'est le match où il faut être présent et il faudra être capable, ce que j'ai dit, d'être capable de faire ce qu'on a fait 32 minutes 40, simplement. Elle est due à quoi cette crispation sur Voilà, la prise à deux? Il y a une forte agressivité adverse, les arbitres ont laissé jouer, ça n'a pas été forcément à notre faveur, et les contacts pas sifflés. La Roche a fait sa première faute dans le dernier carton à 3 minutes de la fin, enfin, dans le pressing et en étant dur. Bon, voilà, je suis pas chacun son métier, mais je pense que c'est dû aussi à l'expérience d'une équipe qui a déjà 4 ou 5 matchs entre le championnat et la Coupe d'Europe, et nous qui avons notre deuxième match et une équipe d'en face qui se devait de réagir et de gagner. Ça s'est senti à un moment donné derrière. Et plus athlétique aussi. Et plus athlétique, voilà. Nous, on va apprendre de tout ça et l'important, c'est déjà de comprendre et puis de se projeter sur le prochain. D'accord, c'est tout le que je peux te dire. Bah ouais, écoute, de toute façon, maintenant, on va pas. C'est qu'un match de je crois que c'est pas un cercle, ça.